Comment soir, messieurs dames. Ici donc l'orchestre poétique d'avant-hier, OPA, tout en improvisation pour vous ce soir. Je vous le répète, une espèce de performance. Tout ce que vous allez entendre ce soir n'a jamais été joué, ne le sera plus jamais. D'où la présence de cette petite caméra chargée de pour nous filmer ce concert, histoire de nous souvenir. Quand vous fera passer Collectif Sidaction, bon, écoute, faut pas vous oublier qu'on est venu chanter pour vous avec grand plaisir. Merci Myriam, merci. C'est nous qui vous remercions, la famille. Alors, on a du coup quelques remerciements à faire. Le premier remerciement que je voudrais faire, c'est pour une personne, que j'aime. Une sœur. Une sœur, je vais pas dire une grande ou une petite parce qu'on a quasiment le même âge, mais c'est grâce à elle qu'on est là ce soir. C'est une vraie militante de terrain. Oh oui. C'est quelqu'un qui arpente Bordeaux régulièrement pour foutre le bordel le plus qu'elle peut. C'est pour ça que je l'apprécie d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc je vous demande de faire un gros big up à Sandra Massista, ouais, s'il vous plaît. Wouhou. Et deuxième remerciement, c'est au bar au plafond qui nous reçoit ce soir, avec toute la gentillesse. J'ai pas bien compris ton prénom, je suis désolée. De Maxime et d'Odile, donc on peut leur faire un gros big up s'il vous plaît. Mon troisième remerciement, il sera pour vous tous, bénévoles, qui donnez du temps, de la passion, beaucoup d'émotions, j'imagine, sur une problématique aussi difficile. Donc bravo à vous toutes et tous de vous mobiliser pour que ce virus disparaisse le plus rapidement possible. Moi, je fais partie des enfants génération Mitterrand, donc on est né un peu là-dedans, et de voir que 30 ans après, on n'a pas vraiment avancé, et que certaines pratiques, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ou vous, si tu préfères, je peux vous voir, monsieur le docteur, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, certaines pratiques et tout ça, donc bon, alors, baisons, mais protégeons-nous, quoi. Mais baisons quand même, parce que sinon, on n'est pas bien. Merci, ouais. Je sais pas ce qu'il y a des fois, c'est là, mais il y a les opacina parce qu'ils laissent pas aussi. Donc bon, un peu tristoulé quand même. Donc, baisons, mais préservons-nous et préservons les gens quand même. Et enfin, la dernière personne que je voudrais faire. Applaudissez-vous d'abord, les bénévoles, là, tout ça. Bravo! À ceux qui sont là, ceux qui seront là pour les prochaines soirées, tout ça, bravo à toutes et tous. Et puis la dernière personne pour qui je voudrais dédicacer ce concert, c'est mon père qui se trouve actuellement à l'hôpital. Et il n'a pas du tout le sida, le pauvre, il a failli avoir le cancer, donc il n'est pas très en forme, et je voudrais lui faire lui dédicacer ce concert, car sans lui je ne serais pas là, bien évidemment, ne doutez pas. Et je serais surtout même peut-être pas derrière ce micro, donc je lui dois beaucoup, et je voudrais qu'on ait tous une petite pensée pour lui, ça peut peut-être l'aider à s'en sortir plus vite. Merci. Partons de là. Je constate que le don n'est offert que pour le bien de tous, et qu'il faut être ce passage, cette fenêtre, pour s'oublier et tendre. Alors, nous entendons et ressentons au plus profond de notre chair cette voix et ce tremblement vers lesquels il nous faut aller libre et aussi vierge que possible. Là où nous allons, nous touchons du doigt le nerf de la vie et il vibre pour nous, plaintif et joyeux. Il demeure cette source où boire quand la soif nous brûle, où nous abriter du soleil aigu, où vaincre les ténèbres. Ici, nous pouvons nous délester sans crainte et laisser tout notre être s'écarteler au vent, tout notre être s'écarteler. Les muscles se retendent et la peau se recouvre sans pâlir. Nous ramenons de ce lieu des mots et des notes, des images. Laissant fenêtre ouverte, voici, pour le bien de tous, le parfum délicat de l'humanité. Voici,
pour le bien de tous, le parfum délicat de l'humanité. Thank you.
temps nous paraissait incroyable tout ce temps, tout le long. Tout ce temps, tout le long nous paraissait incroyable. Et tout ce temps, tout le long. Mais dis-moi, camarade, que dois-je faire?
Vous avez bien compris que ce texte n'est pas contre les gens qui soutiennent les gens qu'on sida. Hein. C'est juste qu'on voudrait qu'on mette plus d'argent dans la recherche et moins dans les armes. Si c'était possible. Mais bon, avec ce qui s'est passé à Bruxelles, là, je sais pas où, du kaki, on va en manger pendant un petit moment. Donc, voilà. C'est pas demain que si l'action, il va ramasser la thune. Hein. Il y a des priorités, messieurs, dames. Il faut d'abord que les musulmans s'en mettent chez eux. Voilà. Donc, une fois que les musulmans seront partis, on verra ce qu'on fait de l'argent qui reste. Pas sûr qu'ils partent pas avec la caisse, quand même, on les connaît. Pas sûr qu'ils partent pas avec la caisse. Crimo à la moissonneuse basseuse, messieurs, dames, pour vous ce soir.
Il est beau. Enfin, ça c'était avant que moi, toi, c'était une période avant, après c'était... Là, je suis plutôt la période après, moi aussi, mais il y a une période avant, il était hyper beau. Il chantait hyper bien, il faisait ça à la fin de tous ses morceaux, il faisait là. Les musiciens, Elvis, quoi. Voilà, Saint-Michel, dédicace au quartier, donc juste à côté, qui est en phase terminale, lui aussi. Il a attrapé un drôle de sida, ça s'appelle la gentrification. Alors là, je veux dire, ça a dégagé du monde. Hein. Mais comme c'était des Arabes qui sont rentrés en Arabie, on s'en fout un peu. Non, mais quand même, ça fait bizarre quand on voit Saint-Michel. Ouais, elle est grande la place. Hein. Il n'y a rien. À Bordeaux, ils ont la spécialité, ils font des places où il n'y a rien pour être sûr qu'on y reste pas. On appelle ça du couloir. Ouais, comme elles sont... Sur le sacre du printemps.
cette guérite étroite avec sa manche gauche, avec sa manche droite, ses palos aux horizons, ses hymnes cramoisis, la passion du futur, ses chroniques à déjeuner. Paris, mais, Paris.
Alors j'évite. Et sur les quais, le seul bateau qui était resté rouillé et me gâchait la vie. Car Bordeaux fait connaître Bordeaux. Et voilà la grosse chenille qui la serpente. Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on l'embellit, on l'embellit. Il y en a plus. Il y en a, on mange à Wolf. Ah ouais, d'accord.
bon, mais tous les mecs à Saint-Michel, ils ont fini par manger plus de porc, quoi. Donc, faisons gaffe aux Parisiens, quand même. Ah, c'est Baptiste qui relance. C'est son premier concert avec Opéra. Enfin, c'est la première fois que je le vois. Je l'avais jamais vu avant ce soir. Ça fait bizarre parce qu'il est tout jeune. Il est à quel âge? Il a 23 ans, je fais un connard. J'ai beau avec le vêtement d'écart, finalement. Ouais, connard. Ouais, c'est un garçon, il est jeune. Sur la moitié, j'ai 3 ans et tout. T'as vu? Tu risques d'avoir le sida. T'es dans la moyenne là. Thank you.
ça, ça s'arrange, je saute. Ça, je peux pas le sauter tout le temps, de toute façon. Je suis trop confus. Si, là. C'est mon côté africain. Je sais exactement où il se situe, mon côté africain. Là. Tout en haut, c'est mon père. Et tout au côté blanc. Ici aussi, quand même. Hein, et ça, c'est ma mère. Il y a eu beaucoup de choses. Comme ça. Ça va toujours, les gens? Oui. Bah, c'est une bonne journée? Oui. Donc, je n'ai que des textes en français, par contre. Et si vous êtes anglophone, faudra venir samedi prochain, hein, parce que bah, vous allez bien qu'on m'arrête, de toute façon. C'est plus important. À la victoire. La dernière fois que je suis allée à la place Colbert-Long, j'ai eu des problèmes.
larme difficile. Existe-t-il un lieu pour dire ces choses? En tout cas, le sable ou en plus sa tête. Oh, existe-t-il un lieu pour dire ces choses? En tout cas, le main pour en plus sa tête. C'est moi qui l'ai écrit, donc je m'en fous de pas comprendre, mais vous... Qu'est-ce qu'il voulait dire, l'auteur? Ouais, là, c'est pour le français qui servait à que dalle, parce que même l'auteur, il sait pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire, l'auteur? Je sais pas, je sais pas là. En plus, c'est mieux que je dis pas. On sait pas toujours, donc c'est un texte extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle Organisme vivant. Ce que j'ai raconté mon enfance, c'était horrible. D'ailleurs, j'arrive pas au bout de moi-même, je n'arrive pas d'ailleurs, tout ce texte de... traumatique. Il a soif, Crimo, quelqu'un pourrait lui porter un petit... Une bière? On a invité par au guide. C'est ça? Oui. Vous avez encore un petit peu? Et toi? Moi, c'est Myriam. Lui, il a 23 ans, donc c'est bon, il a bu deux bières déjà. C'est comme ça qu'on devient alcoolique. Moi, je sais, j'ai failli comme ça. Bon, après, moi, je viens du Médoc, donc l'alcoolisme, il y avait un potentiel à la base qui était quand même assez important. Mais
alors là, 23 ans de bien. Et sa mère après, quand il est joyeux. Il fait comme il quoi. Moi je suis de Saint-Laurent du Médoc. C'est-à-dire c'est encore un peu la civilisation. Voilà, Soulac, ça commence à être la fin quoi. Et encore c'est un peu préservé Soulac. Mais que pour les vacances, je suis privilégiée. Non, il y a des blagues qui s'appellent Coukek. Non mais tu imagines ça Coukek dans le Médoc, t'as mis tout Coukek dans le Médoc. T'es sûr, ouais, Coukek. Non, j'ai rien à dire, ça fait... j'ai passé 20 ans de ma vie, donc on peut s'en sortir, mais ça laisse des séquelles quand même. Un accent pourri. Toi, qu'est-ce que t'as fait quand t'étais petit, donc rien. Un vide un peu sidéral, mais il y a eu du bois, tout ça. Moi, je vais bien, je suis content d'avoir grandi à la campagne. Mais je n'y vivrai plus. Voilà, c'est en quittant le Médoc, on se rend compte qu'il est mieux ailleurs. Bordeaux, c'était loin, c'était la capitale. On dit, oh là là, je vais à Bordeaux. On s'habillait bien pour aller à Bordeaux. En fait, on pensait s'habiller bien, c'est quand on arrivait à Bordeaux qu'on se rendait compte qu'on s'était habillé comme des ploucs. Mais pour nous, c'était le top, nous sommes loin, il y avait d'autres qui étaient là. Oh, c'est hyper d'amis. Enfin, maintenant, quand je me balade à Bordeaux, au moment de Noël, il les reconnaît. J'arrive, il pense qu'il est bien habillé, c'est bien fait. On les aime bien.
Ouais, t'as la merde, les musulmans, tout ça, machin, toujours les mêmes qui traînent.
pas faire autrement, c'est l'époque. Ouais. Si on était il y a quelques années, j'aurais dit j'aime pas les juifs, mais là je préfère dire j'aime pas les musulmans. C'est plus d'actualité, oui. Nous on est un groupe moderne. On vit avec notre époque. Petite dernière comme ça Oui, vous avez l'air fatigué. Petite dernière, c'est fatigué. Non, non, ça va. Ils sont beaux les hommes avec leur barbe maintenant, t'as vu comme ils brûlent. Tout à l'heure, je suis là, c'est trop beau. J'en parle à ma copine ce soir. Tu dis quoi, ma chérie? J'ai vu un homme très beau. Je me méfie un peu parce que ma copine, avant, on aimait les garçons. Donc quand je vois un homme très beau, je les repère, je les fous de condition. Salut! On sait jamais, au cas où il redevient hétéro. Donc toi, t'es beau, donc on ira pas aussi d'action au cas où il retourne. Ah, t'es une corde perdue, toi aussi? Oui! Je vais présenter mon frère. Arabisan! Ça, c'est bien, tu carabisan! C'est vraiment par rapport à ce que je viens de dire. Thank you.
comprend pourquoi l'enfant se met derrière. Alors on va voilà, écouter. Ouais, viens. Vas-y. Ça se fait, hein. On a 193 personnes qui sont abonnées à notre... Alors, je pense que c'est mon père, ma mère, tout ça. Mais il va y avoir 2-3 inconnus. Donc quand même, à chaque fois qu'on filme, j'aime bien qu'ils pensent qu'il y a du monde. Et, donc on va la refaire. Ça va les gens? Ouais. Salut. Je vois pas bien, mais là, super. Allez, on va après. Merci. On va en faire une toute dernière. Allez, vas-y. Du reggae, un reggae. Il y avait musique comme ça. Je peux pas rouler le joint, je suis en train de chanter, je peux pas tout faire. Puis en plus, je suis filmé, tu vois. Donc, non, je ne coupe pas la robe. La robe, elle brûle, la police. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et je laisse peu. On vous remercie encore, merci Collectif Sida de nous avoir invités. Vous êtes super, on a été reçus comme des chefs. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont préparé à manger. C'était super bon. Merci au plafond de nous avoir reçus. On vous souhaite un bon week-end d'action autour du Sida. En espérant que l'année prochaine, vous n'aurez plus besoin d'être là. Je pense que vous allez avoir du temps. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Il ne peut ni ne veut, alors n'attends pas et t'envoie des...
Et donc, c'était la solution ce soir, ils sont qui n'auraient pas pu jouer. Donc, Maxime. 10 bisous, je biche.